Bonjour tout le monde, me revoilà. Ça fait 3 semaines que je vous avais pas donné de mes nouvelles. Attendez, hop, je vais vous cadrer. Voilà. Donc, voilà, me voilà installé dans ma nouvelle pièce. J'ai beaucoup de carton, ce qui est normal. J'ai pas de meubles encore, donc il faut que je me trouve des meubles. Ça faisait longtemps que je vous avais pas donné mes nouvelles, donc je me suis dit, j'ai quand même à faire un petit vlog quand même. Voilà, je me plais énormément dans mon nouvel appartement. Attendez, excusez-moi, je vais juste baisser mon ordi. Voilà. Je me plais énormément dans mon nouvel appartement. Il est très grand, spacieux. Donc, voilà. On a eu du mal à s'y faire, mais bon, maintenant on s'y fait, on est bien. Je vais peut-être recommencer le crochet, mais à partir de début septembre. Parce que là, il m'est arrivé une tuile. Donc, nous sommes le 29, voilà. Ce matin, c'était médecin en urgence et tout. On a cru que je faisais une phlébite. Carole, tu sais ce que c'est, tu viens d'en faire une. Donc, voilà. Pourtant, je bouge, hein, je marche. On a cru que je faisais une phlébite. Donc, c'était laboratoire en urgence, ordonnance en urgence pour me faire un Doppler, que je n'ai pas pu y aller d'ailleurs parce que c'est trop loin. Et on avait commencé les piqûres. Donc ce matin, j'ai eu droit à ma première piqûre dans le ventre. Mais il s'avère que non, c'est pas une phlébite. J'ai des douleurs, c'était suite à la chaleur, à la canicule qu'on a eue. Dans la voiture, la semaine dernière, on est monté jusqu'à 48 degrés quand même. Hein. Donc mes jambes, elles ont eu du mal à supporter. Je fais de l'arthrose des genoux. C'est génial aussi, vive la vieillesse. Donc maintenant, je vais être obligée de marcher avec des béquilles. Dès que j'ai mal, obligée de prendre des béquilles. Bon, c'est pas bien grave, on aura des béquilles. Et puis c'est tout. On m'appellera Madame 4 jambes. Voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. Se remet dans le crochet petit à petit parce que là, avec la canicule, je vous assure que je pouvais pas crocheter. Le crochet glissait tout seul. Je recommence tout doucement. On va prendre un nouveau rythme. Là, ça va être la rentrée. Je vais commencer à vous montrer aussi le châle que j'avais fait. Je vais vous montrer le tuto début septembre là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? De 48 degrés, on est passé à 25. Ah ça fait du bien, hein, si on peut vous le dire. Je vais vous montrer un petit peu, regardez. Hop. Voilà, je vous disais que c'est mon petit bazar. Voilà. Là, il va y avoir des meubles et tout. Je vais essayer d'installer ça correctement. J'ai mon bureau juste en face de la fenêtre. J'ai un arbre, j'ai deux arbres en face de ma fenêtre, donc voilà. Ça m'évite de voir les voisins en face, mais au moins, il y a de l'ambiance ici, ça bouge, c'est pas comme dans l'autre, hein. Je voyais quasiment rien, donc là j'ai juste allumé la lumière parce que là elle commence à faire sombre, mais sinon j'allume pas la lumière avant 20h, comme ça dans l'autre appart, il fallait que je l'allume du matin au soir, sinon je voyais rien. Donc voilà les petites nouvelles. J'espère que vous toutes, vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Carole, je sais que c'est à ton tour de déménager. Eh bien, bon courage. Parce que moi, mon mari, il a fait les allers-retours. Hein. Il en a fait 5. 5 allers, 5 retours. Donc, ça fait 10 allers-retours. Et 5 heures de route à chaque fois. Hein. Pour vous dire que il a bien mangé quand même. Heureusement qu'il y avait son pote qui était là pour nous aider. Enfin, nous a dit façon de parler. Parce que. Bon, il était là, c'est déjà bien, c'était le principal. Donc voilà. Donc voilà, les petites nouvelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Voilà, j'ai mangé la commission. Si, j'ai commencé un petit napperon, mais là c'est trop c'est trop fin pour vous montrer. Je dois faire numéro 2, hein, donc
Une fois qu'elle sera bien finie, je vous montrerai, je vous dirai les explications. Là, je commence à regarder mes bouquins, parce que vous vous rappelez, j'avais acheté des livres. Et là-bas, j'ai pas eu le temps de... De toute façon, j'avais pas envie de regarder mes livres. Donc là, je vais tous les sortir, je vais les regarder. Et puis, on va voir pour faire des sets de table, pour faire des de sous d'assiettes, tout ça. On fera ça tout ensemble. Je ferai, quand je ferai des pulls, je ferai partie par partie, parce que j'ai toujours pas appris à faire les montages vidéo. Il va falloir que je m'y mette. Je suis pas si bête que ça, il y en a qui y arrivent. Donc, ma Mika, là, y arrive. Donc, il va falloir que je m'y mette aussi. Donc, voilà. Sinon, bah, tout va bien. Bien installé, correctement. Bon, c'est un peu le bazar. Bon, ça fait que 3 semaines hein, qu'on est là. Donc, voilà. Sinon, bah, j'espère que Rosalia t'arrive à remonter la pente, que Carole, les cartons se font bien. Bon courage pour toi, hein. Moi, ça y est, c'est fini. Et Sandra, oui, je suis très bien installée. Je sais que tu m'as envoyé un message. Je t'ai répondu, mais je sais pas si t'as vu mon message. Oui, je suis très bien installée. Mon appartement me plaît énormément. J'ai une grande chambre, j'ai ma pièce. J'ai ma grande pièce de vie avec ma cuisine américaine, mon bar et tout. Bon, maintenant, faut meubler, hein. Parce que de 60 mètres carrés, on est passé à 85 mètres. Donc, il faut des meubles. Donc, ben, on va se meubler petit à petit. On verra bien, hein. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc voilà, si je vais mettre des crochets en vente, donc si ça vous intéresse, dites-le moi, mais ça sera pas des crochets ergonomiques, hein, c'est des crochets en métal, et moi ça me fait mal aux mains. Alors si je commence déjà à avoir de l'arthrose au genou, j'espère que je vais pas en avoir aux mains. Bon, ça va, là, pour l'instant ça va, ça travaille bien. Donc voilà mes petites nouvelles, j'espère que vous allez bien, vous avez pas eu trop chaud. Bon, j'ai ma meilleure amie qui est en Bretagne. Elle m'a dit, je connais pas 48 degrés, il n'y a pas 25, c'est tout ce qu'elle connaît. Donc voilà. Si, j'ai failli perdre mon chat. Ah, on a failli perdre notre chat. Avec la chaleur. Elle n'a pas supporté la chaleur. Mais bon, maintenant ça va, tout va mieux, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, ma pièce est toute en longueur. Alors, niveau largeur, je peux pas mettre 1 litre de place. Bon, un clic là, ça passe hein, pour une personne qui dort tout seul. Puis, de toute façon, une personne qui viendra dormir dans ma pièce. Interdiction. C'est privé. Mais bon, moi, j'ai de la clarté. Voilà, ça m'évite d'allumer la lumière H24 comme je faisais dans l'autre appart. Et j'ai mon pull, je descends plus l'escalier. C'est juste pour sortir, je suis au deuxième, donc il vaut mieux que je descende, hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pas grand-chose. Si, que je me plais bien dans mon petit patelin. On est 700 habitants, donc ça va, on va pas s'embêter, on va pas se taper dessus. Ah si, oui. Il y a un magasin ici qui s'appelle Seconde Vie. Je me suis fait mal au genou. Et je vais voir avec elle pour exposer quelques-unes de mes pièces, quelques-unes de mes créations, pour essayer de les vendre, on ne sait jamais. Donc voilà, et je ferai peut-être un concours vers novembre, décembre, pour vous faire gagner quelques pelotes de laine ou vous faire gagner une de mes créations. Donc, il faudra que je m'organise comme ça. Je vous tiendrai au courant. Comme ça, si je peux vous faire gagner une ou deux créations. Donc, voilà. Ce sera sur... peut-être sur des questions de crochet. Voir si vous êtes calé.
Le concours. C'est pas mal ça, petit concours avec des questions. Et puis celle, il y aura trois gagnantes. Voilà. Mais je verrai ça en décembre. Voilà, début décembre. Comme ça, fera ça sur 10 jours. Et après, bah, vous saurez les créations. Mais une de mes créations pour Noël, ça vous fera un cadeau de Noël. Voilà. Bon, bah, moi, sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Prenez bien, bien soin de vous. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour un prochain tuto. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite, les filles.